Bonjour, je profite de cette vidéo pour vous présenter les calendriers 2019. Vous avez été très nombreux à acheter des calendriers l'année passée. Je vous en remercie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir encore deux éditions cette année, une édition Europe et une édition Suisse, un peu comme l'année passée. J'ai plusieurs versions à vous proposer. J'ai la grande version format A3, hein, donc cette taille-là. J'ai une version légèrement plus petite, format A4, donc même modèle, mais format A4. Et j'ai une version encore un peu plus petite, qui est vraiment pour mettre sur le bureau. Alors je voulais vous présenter en fait le calendrier version A3. Celui-ci, c'est un calendrier test, donc ce n'est pas celui que vous allez recevoir. Par contre, en fait, c'était pour vous présenter un petit peu les différentes photos qu'il va y avoir pour les calendriers Suisse et Europe. On a une couverture rigide, on a une accroche, et là, j'ai suivi vos conseils, l'accroche cartonnée n'était pas terrible. Maintenant, on a une accroche en métal, donc plus de problème d'accroche. Donc j'ai changé de fournisseur justement pour vous proposer ce nouveau type d'accroche et une qualité supérieure au niveau du calendrier. Hein, un peu plus de robustesse et une meilleure qualité au niveau des photos. Vous allez voir qu'en fait j'ai conservé la taille des grilles. Pourquoi? Parce que nombre d'entre vous marquent tous leurs rendez-vous et tous les rendez-vous de la famille à l'intérieur. C'est super pratique. Moi-même je fais ça. Et donc c'est pour ça que j'ai conservé une grille assez grande. Ensuite, ben voilà, première photo. C'est une photo du creux du vent, style minimaliste que j'ai fait cette année. Elle sera disponible dans le calendrier suisse. Ensuite, on passe au mois de février. On a également une photo prise au creux du vent, style minimaliste. Elle sera également dans le calendrier suisse. Là aussi, cette fameuse photo de Vienne qui sera dans le calendrier Europe, bien sûr. Le château de Schönbrunn, calendrier Europe. Le château de Grandson, calendrier suisse, bien sûr. Valensole, un des nombreux spots de Valensole avec les champs de lavande. Donc, calendrier Europe, bien sûr. Et vous voyez que les feuilles sont assez rigides, hein. Donc plus de risque de les déchirer, de les froisser ou quoi que ce soit. Elles ont vraiment une qualité vraiment supérieure au niveau du papier. Le Chasseral, une de mes meilleures photos, je pense, du Chasseral pour le mois de juillet, qui sera disponible dans le calendrier suisse. Le glacier d'Aletsch, disponible dans les deux calendriers cette fois, puisque c'est aussi une de mes plus belles photos. Le panorama de la réserve à Cudrefin. Donc ça, c'est véritablement un super panorama aussi que j'ai réalisé cette année et qui sera dans le calendrier suisse. Calendrier suisse, toujours le panorama du lac vers Grandson. Prahovské skály en République tchèque, vraiment un endroit magnifique, donc qui sera dans le calendrier Europe. Alors ici, on a le chemin. Une autre photo minimaliste, pas sûr qu'elle est dans les calendriers, il faudrait vérifier. Pas tout à fait sûr. Donc voilà, ça c'était le mois de décembre. Et on finit par une feuille de couverture cartonnée à nouveau. Donc vraiment, ce qu'il faut voir cette année, c'est la robustesse en fait du calendrier, hein, des spirales en métal, une accroche en métal également. Vraiment plus robuste que l'année passée. J'ai pris en compte vos commentaires. J'ai aussi cherché auprès de plusieurs fournisseurs pour avoir le meilleur calendrier possible. Donc ce calendrier est disponible format A3 et format A4. Donc celui-ci c'est le A3. Donc le A4 sera légèrement plus petit. Voilà. Ensuite, on a le petit calendrier. Petit calendrier. Qui se met sur le bureau. Hein, vous voyez, on peut le plier comme ça, qui est aussi très rigide, hein, donc aucun risque de l'esquinter également. Et voilà. Donc c'est pareil. Pour ce calendrier-là, il y a une version Europe, une version Suisse. Ici, c'est un petit peu un mélange des deux calendriers.
Et vous voyez, bon, c'est beaucoup plus petit, mais ça vous permet de voir quand même, de profiter de mes photos. Et on peut constater justement les jours de la semaine avec les dates. Voilà. Bien entendu, sur ce format-là, ben, il n'est pas possible de marquer vos rendez-vous. Voilà. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez voir toutes les photos qui sont sur ces calendriers, donc Europe et Suisse, vous pouvez descendre un petit peu sur la page et vous allez voir les photos de toutes les pages du calendrier. Ça va vous permettre en fait de choisir quel modèle vous voulez. Bien entendu, vous pouvez commander en ligne. Mon site est maintenant sécurisé, donc vous pouvez payer par PayPal, par Stripe. Vous pouvez aussi me faire un virement bancaire, aucun souci. Alors, ce format-là est au prix de 19 francs. Ce format-là, donc le format A3, est au prix de 29 francs. Et le format A4, légèrement plus petit, est au prix de 27 francs. Je livre dans toute l'Europe, alors France, Suisse, n'hésitez pas à commander. Même si les prix sont en francs suisses, vous pouvez payer en euros, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avance pour votre achat et je vous souhaite une bonne journée.